Et shalom les koulam, bienvenue dans cette troisième vidéo sur la Megillat Rout Perek Alef. Et je suis toujours avec mes deux acolytes, avec Nicolas et avec Yoav. Nicolas, ma shlomcha. Shlomitov. C'est d'ergamo. Et nous avons aussi Yoav, manishma Yoav. Shlomitov. Ma shlomcha Eli. אני בסדר גמור, אני בסדר גמור, ואני ממש שמח להיות כאן איתכם לתוכנית המדהימה הזאת. ואז אנחנו נתחיל עכשיו. בשמחה. פסוק ג' יואב, אם תרצה להקריא את הפסוק הזה, בבקשה. וימות אלימלך איש נעמי ותישאר היא ושני בניה. מצוין. Alors donc je vais resituer toujours tout ça avec la traduction. Pasuk Gimel, Elimelech, l'époux de Noémie y mourut et elle resta seule avec ses deux fils. Bon. Pas vraiment de difficultés hein, pour quelqu'un qui a des petites bases d'hébreu. Mais on va aller un petit peu... On va regarder ça de plus près. Nicolas, Bevakasha. Alors, effectivement, Vayamot, c'est un petit peu... on pourrait avoir tendance à dire Vayamat. Hein, parce que, ah oui, attention. On va voir que ça se prononce Vayamot. Bon, quand on sait qu'on dit la mout... pour mourir, met la mout, on sait qu'effectivement, c'est un O ou un OU qui se trouve derrière cette voyelle. Alors, je dirais qu'on peut aussi être confirmé cela par l'accent. Quelque chose qu'on n'a pas vraiment expliqué, mais c'est que quand on a le vav conversif, on a une tendance à sectionner à raccourcir la forme. Oui. Et on a aussi cette tendance à remettre l'accent plus en amont. Donc l'accent a tendance à remonter. Donc, il est là, il est sur le yud. Voilà, vayamot. Vayamot, d'accord. Voilà. Et on a un redoublement aussi, un petit point dans le yon, qui est un redoublement un petit peu comme on a avec l'article. C'est un dagesh, oui. Après l'article défini, le ha, il y a toujours un dagesh qui suit. Voilà. Et là, c'est le cas aussi ? Oui, il y a toujours un dagesh, sauf quand il n'est que suggéré. Par exemple, dans un certain nombre de vayehi, il est suggéré. D'accord. Mais là, le vayamot, il a vraiment été matérialisé. D'accord, et donc, on le voit bien. Le kamatz non accentué en syllabe fermée se prononce en général o. D'accord, ouais. C'est le cas ici, mais nous, c'est vrai que moi, je ne me pose pas toutes ces questions pour dire Vayamot, parce que je sais que Vayamot, c'est Yamut. Voilà. Oui. Met, ani met, Arshav. Ani amut. Bon, on se souhaite pas trop tôt, mais donc Yamut au futur, d'accord, ou Yamut, et je sais très bien qu'il y a Yamut derrière, et que quand on va mettre le Vav à Ipour, ça va affaiblir le OU en haut. Voilà. Voilà. Et ce OU, en fait, au lieu d'avoir un VAV, il y a un KAMATSKATAN, VAYA MOT, au lieu de VAYA MOUT. C'est ça. Il y a un raccourcissement de la voyelle. C'est la même idée que d'enlever le HE de VAYEHI. Tu avais parlé la dernière fois du fait qu'on avait apocopé dans VAYEHI, au lieu de dire VAYEHIYE, d'accord ? Il y a une apocope qui arrive sur ce HE, qui est tronqué, qui tombe, ça donne VAYEHI. Alors, il y a souvent ce vav conversif va déstabiliser la conjugaison du futur de base. Quoi. Et ça va donner à chaque fois des petites variantes qu'on découvrira petit à petit. Oui, ici, il y a aussi la mout, c'est-à-dire la mout, mais il y a aussi le verbe onifil, les amis, ça veut dire tuer. Mettre à mort, mettre à mort. Mettre à mort, mais aussi, la Bible ne manque pas de vocabulaire de cet ordre-là. Par rapport à la mort. Et ici, il faut ajouter, c'est-à-dire la mort, par rapport à qui est écrit Mavet. Ici, c'est un racine problématique. On entend le Vav qui est tombé ailleurs.
Et ici, il devient une consonne, mave. Oui, parce que le vav, il fait partie vraiment de la racine. La racine de la mout, c'est mot. C'est pas donné, c'est pas du tout donné que le vav devient. Bien sûr. Qui devient ici une consonne. Une consonne, évidemment. La racine, donc, mem, vav, tav, c'est donc c'est la mout, c'est au paal. Évidemment, mais il a une conjugaison un peu bizarre, un peu spéciale, puisqu'on dit pas ani, ani, alors lakum ani kam, on devrait dire lamut ani mat, mais on dit ani met. Donc il y a bien une comment? C'est parce que c'est un statif, c'est un verbe d'état. Met, ouais. C'est pas une action, c'est un état. Mm. C'est un peu comme quand on dit ani ra'ev, on a un e également. D'accord, c'est alors, comme ani yashen. Pardon. Ani Yachen, Ani Gadel, tous ces Paal qui se conjuguent comme ça. C'est ça. D'accord. Et donc, Mavet, c'est intéressant ce que tu as dit, Yoav, le Vav du milieu devient une consonne, Mavet, mais quand il revient, quand le mot mort, le mot Mavet devient Smichut, ça redevient une consonne. Ça redevient une voyelle, pardon. Mavet devient mot. Oui, tout à fait. Mot. Tout à fait. Mot, ou même quand c'est décliné, ça moti, moto. Moto, moto, sa mort. Moto. Ça s'explique tout ça. Ça s'explique si on sait que le vav se prononçait autrefois ou. Oui, c'est un W. Voilà. Ouais. Donc on passe facilement de maouet à maout. Mot. Bah voilà. Oui. Mot, exactement. Mot. C'est une diphtongue qui est voilà qui il y a un jeu de diphtongue qui disparaît et qui réapparaît. Voilà. Alors Vayamot Elimelech Ish Naomi, donc c'est bien l'homme de Naomi et pas le mari. Alors est-ce que on dit comme ça toujours le mari dans la Bible? Dans la Bible il y a plusieurs façons, ça c'est plus élégant, c'est-à-dire il y a aussi Baal. Oui, moi j'aurais dit Baal, comme en hébreu moderne, Baal. Oui, beaucoup de fois, il y a deux façons de les dire. Ça, c'est la façon la plus préférable, de dire Ish, l'homme de, ou comme on dit Eshet, Isha, oui. La femme. De l'autre côté, comme ça se dit dans le livre d'Osée, dans la métaphore de rapport entre le peuple d'Israël, qui est comme un couple avec Dieu. Oui. Baal, il y a une autre connotation. Ce qui est exceptionnel de ce qu'on voit ici, Ish Naomi, c'est exceptionnel dans toute la Bible, cette notion qui est très forte. Ish Naomi, je ne crois pas que ça existe ailleurs dans la Bible, c'est l'homme de Naomi. Oui. L'homme de Naomi, normalement c'est à l'envers, c'est la femme de. Oui. La femme de, Eshet, etc. Cet cas exceptionnel. Qui met en centre la femme, Naomi, c'est-à-dire qui est mort, il est mort Elimelech, l'homme de. Mm-hmm. C'est ça qui met en centre la femme, qui n'existait pas ailleurs dans la vie, je crois. Et ça montre, ça anticipe tout le sujet, déjà la mort de la personne, et la centralité de Naomi dans tous les récits. Oui, c'est intéressant parce que la Bible en général, Yoav et Nicolas, vous n'allez pas me contredire, mais c'est quand même assez phallocrate, mine de rien. C'est vrai que. Je ne sais pas comment le dire, ça, oui, c'est un peu fort ce que tu dis. Et ici, c'est un autre sujet. Et je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais on donne, comment on dit ça, on favorite la condition de l'homme, mais ce n'est pas exact complètement parce que. Le rôle de la femme dans la Bible est très très. Il y a des contre-exemples. Il y a des contre-exemples. Il est très très important. Il faut ajouter autre chose ici notre grand étonnement que la femme, comme dans le récit de cette récit, il y a deux femmes, Naomi et Ruth, mais la femme dans certains textes et parfois ou les statuts, pour dire plus clair, le statut de la femme parfois dans la Bible, il est plus avancé que les périodes après la Bible. D'accord. Par exemple, les cas, la femme qui a le statut le plus moderne dans toute la Bible, c'est-à-dire le plus moderne qui dépasse aussi les périodes après, c'est Déborah. D'accord. Déborah, c'est une femme
qui est juge et prophétesse. Et voilà, une femme qui, par soi-même, indépendante d'une famille quelconque, n'est pas la femme de quelqu'un. Mais c'est la femme. N'a pas la sœur de, comme Myriam, etc. Et là, la femme qui a la position de juge, du juge. Mm. Ça, c'est la. Voilà, ça c'est un petit peu lié. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est. Bien sûr. On pense à la place de la femme. Alors, Ish Naomi, donc l'homme de Naomi, d'accord ? Et Vatishaer, Vatishaer. Alors, ça c'est intéressant parce que dans le. Si vous voulez, chers auditeurs, travailler votre futur au féminin, la Megillat Ruth est bourrée de verbes au futur. Au féminin, donc vous allez pouvoir travailler votre futur comme il faut. Et c'est vrai, c'est, bon, c'est comme on a dit peut-être précédemment avec Yoav, bon, en général, les personnages sont masculins dans la Bible, en général, je dirais, et c'est vrai que les verbes ont tendance à être toujours masculins, surtout que le masculin l'emporte sur des pluriels, etc. Mais là, on va avoir beaucoup, 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 beaucoup de verbes au féminin, et c'est intéressant, va tishaer, attention, c'est pas tu resteras, c'est elle restera. Mais avec le vavaïpour, évidemment, c'est elle est restée. D'accord ? Patishaer, c'est le verbe lehishaer. Lehishaer. Et donc, et donc c'est nishar. Nishar au nifal. Exactement. Nicolas. Non, je pense que tu as tout dit. Peut-être la seule chose qui paraît bizarre, c'est elle resta, elle et ses deux fils. Oui, c'est au singulier. Elle resta Noémie, et peut-être qu'on a l'impression qu'il voudrait dire elle resta seule. Voilà, on a l'impression qu'il manque le mot seule. Oui, parce que le verbe est au singulier. C'est bizarre, en effet. Oui. Oui, tout à fait. Mais ça arrive très souvent. Par exemple, on a Dieu, Moïse. Par là et son frère Aaron, mais on a tout le verbe oui. Qui est par là. Voilà. Exact, exact. Oui. Exact. Qui c'est vrai que ça fait l'importance de la femme. C'est vrai que ce n'est pas donné quand même de parler de elle resta après la mort de quelqu'un dans la Bible. Ça insiste sur quelque chose. Il y a une insistance ici quand même. Bien sûr. Dans la narration, pourquoi elle reste, comment elle reste. Voilà. Mais la racine Nishaer, c'est un signe aussi important dans la Bible. C'est de dire rester, mais c'est aussi et les hachir. Oui, shahar, ça veut dire le reste, shahar. D'accord oui. Et shahar, et donc du coup, les hachir, comme tu as dit si bien, Yoav, ça veut dire Laisser. Tout à fait, c'est... Après, il y a deux autres mots. Peut-être, il y a le mot shahar, qui veut dire branche de la famille. Cher Bassar, je ne sais pas si c'est. Je crois que c'est lié avec la notion de laisser ou rester comme le reste de la famille, je ne sais pas. Ouais. Et après, un mot aussi important dans la prophétie, c'est Cherit. Ah, d'accord. Qui vient de Shin Alefresh. Vatishar hi ou Shnei Vaneha. Alors, elle et ses deux fils. Baneha, c'est Abanim Shela, d'accord? Baneha, Banai, Baneha, Banaih, Banav, Baneha. Voilà, si on veut faire toute la déclinaison du mot Banim, à ne pas confondre avec Ben. Ben, c'est Bni, Bincha, Bner, Bno, Bna. C'est comme ça qu'on voit la différence entre. La déclinaison de Ben et de Banim, qui n'est pas évidemment qui n'est pas la même. Nicolas, à ta route, c'est l'écran. Vaïs'u lahem nashim moaviot, shem ha'achat orpa, veshem ha'shenit rut, vayeshvu sham ke'eser shanim. Tu peux lire la traduction, peut-être, pour situer les choses ? Ceux-ci épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils demeurèrent ensemble une dizaine d'années. Alors, là,
le premier verbe, si je puis m'exprimer ainsi, est foisonnant. Il est foisonnant et je pense qu'on va en parler pas mal. Vaïs'u lahem. Alors, je décompose et ensuite peut-être qu'on peut en parler. Vaïs'u, c'est toujours le vav conversif, hein, ce vav vaïpour, avec yis'u. Alors, yis'u, je connais ma conjugaison, c'est comme ça que j'arrive à l'identifier. Yis'u, c'est nasa ou nasa. Et molunasa, archav ou nosé. D'accord ? Et machar ou issa. C'est au futur. D'accord ? Ou issa, essa, tissa, issa. Et au pluriel, is ou ils porteront. Donc, si je donne l'infinitif qu'on utilise en tout cas aujourd'hui, c'est le verbe lacet. Donc, et si je comprends, si je connais ce verbe, je sais que ça veut dire porter. Mais là, si on voit la traduction, c'est épouser. Et je sais par contre que mariage en hébreu se dit chatuna et se dit aussi nisuin. Oui, sauf que dans la Bible, normalement, c'est pas ce verbe-là. D'accord. Certainement pas ce verbe-là. C'est-à-dire. Pour le mariage. C'est-à-dire, mais premièrement, comme tu as dit, c'est un des verbes les plus importants de toute la Bible hébraïque. La racine nun, sin aleph. C'est une racine fondamentale, comme tu as dit. On ne peut pas parler dans ce cadre de toutes les connotations de cette nom, de cette racine, de les dérives. Mais c'est vrai que le premier sens, disons, c'est le sens comme beaucoup de verbes en français et d'autres langues, physique, corporel, porté. C'est proche de la sonorité et du sens également avec la racine. C'est pas, pour ne pas confondre, parce que la sonorité est proche. Nun samer ein. L'insoa, nasa. L'insoa, il y a un lien, mais je ne vais pas. C'est deux choses différentes. Oui, là, c'est nasa, avec un sin et un aleph. Tout à fait. C'est très proche phonétiquement. Voilà. À l'écoute, c'est très proche, mais en fait, ce n'est pas du tout les mêmes. C'est deux choses différentes, mais il y a quand même un sens proche des deux. On les sent pour l'instant, parce que dans les voyages, c'est pas, je laisse ça pour l'instant, il y a un lien aussi de sens, pas seulement de sonorité. Mais en tout cas, la racine nasa, c'est porter physiquement et porter métaphoriquement. Voilà. C'est ça. Alors, normalement, dans les contextes ici, normalement, dans la Bible, c'est le verbe lakach, lakach isha, lakachat isha. Ah oui, ça veut dire prendre plutôt dans la Bible, prendre, lakachat. Oui, oui, ça montre que les textes sont très tardifs, ça c'est évident. Parce qu'il existe aussi autrefois, je crois, dans les livres très tardifs, il me semble dans le livre de Néhémia. Voilà. Ah ouais. C'est ça. Alors, cette expression que, comme tu as dit, Elie, qu'aujourd'hui on dit nisuin. Nisuin, le mariage. Oui. En effet, mais c'est bien c'est ça que ça remplaçait le mot porté. Voilà. Voilà. Après, c'est bien un mot rabbinique très important jusqu'à aujourd'hui. Mais le mot Nasa, simplement, il faut dire, c'est deux mots. C'est Nasa, c'est énorme dans la Bible. C'est Nasa, c'est porté physiquement. C'est celui que tout le monde connaît, le mot nasi, c'est-à-dire le président ou le prince, ça veut dire que c'est lui qui est porté, plus élevé. Ça veut dire, c'est aussi la hauteur. Nasa, c'est élevé, porté. Nasi, Nessi Amdina. Aujourd'hui, on utilise pour dire Nessi Amdina, par exemple, le président de l'État. Voilà. Et le plus important à dire dans la Bible, c'est le plus important avec ce verbe qu'autre chose, c'est l'expression porter la faute. Ça, c'est le plus important à dire. La sept avant. Et qu'est-ce que ça veut dire porter la faute, Elie? Ça veut dire la sept avant, ça, c'est la tribu de Dieu. Nosé avon. Nosé avon, vafécha, vafécha, ça veut dire. Chata'a venake. Ça veut dire qu'il, c'est un certain. La sept avant, ça veut dire c'est un certain type de pardonner. De pardon, pardon. D'accord. Certains types de pardon. La sept avant, ça veut dire, il faut expliquer que c'est, mais c'est je porte la faute,
Ça veut dire que tu m'as fait quelque chose, je ne te renvoie pas ce que tu m'as fait, ta faute, je porte sur moi et je ne te punis pas ou complètement, je te pardonne. Voilà, ça c'est le D'accord. sous-présent. J'absorbe la faute, quoi. Voilà. Je l'absous. Voilà, ça c'est bien, c'est dit dans la ville, nocé avant, qui porte la faute. Comme un tribut, je répète, un tribut de Dieu. Voilà. Après, il y a la racine dans le Alors, latin. Yoav, je reviens vers toi justement pour les déclinaisons, les Gilgoulim, un peu de toute cette racine. Mais Nicolas, qu'est-ce que tu as à dire sur la 7? Bah, Yoav a dit beaucoup de choses quand même. Alors, il y a peut-être un truc que je pourrais rajouter, qui est une expression assez bizarre, qui est Nasa Panim, relever le visage. Ça peut paraître bizarre. Et alors, ça a souvent été traduit en français par acception de personne, qui est une sorte de traduction littérale de Nasa Panim. Qu'est-ce que ça veut dire, Nasa Panim? Ça veut dire. Et ça reste, je crois, aussi en hébreu moderne, favoriser, faire du favoritisme. D'accord. Ça veut dire porter, comme dit Colindy, c'est bien de dire ça, c'est encore un usage très important. Comme je porte, je relève le visage comme un juge, je relève le visage de quelqu'un devant moi dans un acte de jugement, je le favorise, je relève sa tête, je lui donne plus d'importance. Voilà. Alors, peut-être on peut parler Gilgoulim, mais juste avant, non, Oui. juste avant, peut-être parler de il y a une paracha, il y a une paracha dans Oui. la Torah Oui. qui est Nasso, Nasso. Nassau et Rosh Bnei Israël. Nassau et Rosh Bnei Israël, là-bas, ça veut dire porter la tête, c'est compter, compter les personnes. D'accord, oui, voilà. Donc c'est intéressant parce que Nassau ici, Nassau c'est le Makor, Mouhlat, Nicolas, c'est Oui. ça? Et en fait, Nassau en Makor Mouhlat va donner à l'infinitif la 7. C'est, voilà. Non, il y a deux infinitifs, C'est dans le n'est-ce sens pas? d'un impératif, Nassau, d'un Non, impératif. oui, là c'est une sorte d'infinitif, oui. Mais ça Oui, existe mais il a les le deux. sens d'un. Pardon, Yoav, vas-y. Oui, tu veux dire Non, qu'il y a marqué, il y a l'inso? Dans Il y a Nassau, Nassau. Il y a en plein Nassau et les sept. Il n'y a pas toujours les noms tombent. Il y a les deux. Alors, moi, comment dire, il y a l'expression Kaved Minso. Oui? C'est une très jolie expression. Kaved Minso, c'est trop dur à. Ici, Trop tu fais dur, référence, trop Elie, lourd peut-être. à. Comment dire, à supporter. Oui, c'est qui tu fais référence ici, Elie, indirectement ou directement, tu fais référence à Caïn. Caïn a dit Gadol Avoni Minso. Pas exactement, c'est bien Ouais. Gadol Avoni Minso. Mais tu as le mot Minso. Ma punition, cette fois-ci, ma punition est trop grande pour porter. Dieu veut punir D'accord. Caïn trop. L'expression Gadol, pas Kaved, mais c'est la même idée. Ouais, bien Donc, sûr, il y a Gadol oui. Minso, Kaved Minso et Caché Minso. On peut dire Caché Minso aussi. Et on a le verbe Lehitnasé. Lehitnasé, ça veut dire. Ça s'utilise beaucoup, ça, Lehitnasé al. Michio, ça veut dire vraiment être hautain. Être hautain, les Ignacés. Oui, tout à fait. Les Machal, Merci. Yoav, parce que tu as. Et on n'est pas moderne, on utilise pas comme tu dis. C'est Al. Quelqu'un qui est prétentieux, qui est hautain, tout à fait. Voilà, être hautain par C'est rapport à vrai, quelqu'un. comme tu as dit dans l'enfant Israël, et que tu as insisté à dire, c'est les Hitmassé que je me fais moi-même très haut. Voilà. Je me Oui. porte élevé. Voilà. Il y a aussi la version Nif'al de ce mot Nissa. Me semble, non? Oui, tout à fait. Ram Vénissa. Élevé, Ram porté. Vénissa, c'est une expression qui vient de la Bible aussi, Ram Vénissa. Oui, Il y a ça. Il y a aussi en l'impératif. À l'impératif, c'est comme le verbe linsoa que tu as dit, dont tu as parlé, Yoav, c'est ça. Ça. Alors le nun tombe, il tombe souvent le nun dans la conjugaison du verbe la 7, j'ai l'impression. Il tombe très 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 souvent. Et puis pour terminer, j'avais un dernier truc, mais je ne me rappelle pas. Ah si, si, non, ça ne vient pas de là.
Si, c'est oui, le sommet. Le sommet, exactement. On a Il y a Nassi, on a aussi Si. un autre mot, je crois, voilà, biblique de deux sens, voilà, massa. Massa, bibliquement, ça peut Ah être oui. deux choses, ça peut être avec Aleph, un discours. Et aujourd'hui, on n'utilise pas ce mot, c'est un mot prophétique, dans la culture prophétique, massa, comme chazon. Et c'est que je Massa, comme porte. ça. Voilà, exactement comme j'ai porte la parole. En français, ça marche très bien parce que porter, on dit porter la parole. Oui, bien sûr. Et ça s'est dit. Oui. Et alors, massa, c'est un Porter une discours. parole, un porte-parole, une C'est porte. quelqu'un qui porte sa parole. Et deuxième sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, on est vraiment dans massa, c'est parfois les fardeaux ou les cargos. Oui, ou alors Assez. Mechonit Massa, Massaït, bravo, Massaït. Massaït, Oui. c'est un camion. Voilà. Tout simplement un poids lourd. Un poids lourd. Bah, je pense qu'on a bien arpenté les différents sens de la 7. On peut passer donc. Alors, ah oui, bah, on peut finir peut-être avec cette expression. Oui, Bien oui. sûr, hinas, par exemple, si vous voulez faire une demande en mariage, vous allez dire hinas i li. Oui, si c'est une femme, Voilà. mais si c'est Hinas une i femme, li. non, Si mais si c'est c'est une femme qui demande, voilà, si c'est une femme qui demande, c'est hinasé. Hinasé. C'est comme hikanes, c'est du nif'al. Donc hi. Et là, c'est du nif'al, voilà, dont on parlait tout à l'heure, nissa. D'accord? Donc, les hinacés, être porté, c'est les hinacés, c'est ça, on est d'accord, hein? Les hinacés, être porté. Et on revient à l'histoire du mariage. Ici, c'est là. Et en fait, quand la 7 est avec le, comment dire, la préposition les, ça devient justement marié. voilà, ici, Elie, peut-être à la prochaine rencontre, on va parler de ce que tu as voulu proposer. Nocé. Nocé, c'est aussi un verbe tardif, sujet. Un sujet, nocé, exactement. Ça n'arrête pas, hein? Ça n'arrête pas. C'est vraiment une racine qui est, en hébreu, qui est tentaculaire, qui donne des milliards de possibilités. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de Bible Academy, c'est d'aller un peu explorer un peu tout ça. Alors, Vaïs Ulaem Moaviot, Nicolas. Donc Moaviot, c'est Moabite, c'est-à-dire c'est l'adjectif qui est décliné de Moav, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Moav, donc Moavi, Moavia, Moavim, Moaviot. Donc des femmes Moabites. Voilà, c'est vrai qu'il y a quand même, il faut peut-être le préciser, une interdiction dans la Torah. D'épouser, de se marier avec des Moabites. Alors, Ah, c'est pas c'était précisé avec des ammonite. femmes, c'est précisé avec un homme Moabite. Mais ça pose tout de suite quand même un peu le sujet, parce que là, visiblement, il y a quelque chose de probablement interdit par la Torah. Là, on n'est plus vraiment effectivement, on est plus dans l'explication du texte, mais Oui, bon, c'est quand même important ça de pose une question. souligner. Oh, c'est lié directement au sens du texte. C'est lié. Voilà. Alors, donc évidemment, moi, comme tu as dit, Moavi, Moavia, Moaviot, on rappelle peut-être que le nom en hébreu des nationalités pour une femme, c'est Ia quand c'est une personne. Et quand c'est le mot féminin, par exemple la langue, c'est moi, vite. C'était, par exemple, si on parlait, il parlait Hemedabrim Moavit. Alors que, par contre, c'est Isha Moaviya. Et c'est Alors ça, pareil c'est pour vrai en hébreu moderne. Tsarfatit, Tsarfatiya. Comment? C'est vrai en hébreu moderne, mais ce n'est pas vrai en hébreu biblique. Oui, j'ai pas dit que c'était une règle. Je suis totalement d'accord avec toi, Nicolas. Si on Oui. continuait. Et les langues, et simplement, Ah. tu parlais des langues. La langue moavite, c'est une langue qui était proche de l'hébreu. Oui, on peut Et voir la ça, stèle de Mécha, Astalat Mécha, voilà, au c'est-à-dire Louvre. qu'ils pouvaient communiquer facilement
Et dans les langues, c'est pas besoin d'apprendre une autre langue. Si c'était quelqu'un en Égypte, peut-être c'était plus difficile à Oui. communiquer. Voilà, mais ici, c'était simple, ils ont parlé quasiment la même langue. Et que, voilà, si ce n'est la même. D'accord. Shema Orpa. Nicolas, vas-y, je t'en prie. Alors, Shema Achat Orpa, alors là, ça c'est un sujet assez intéressant. On peut peut-être passer un peu de temps, mais nous, on aurait tendance à dire en hébreu moderne, Shem Bah oui, Harishona Orpa. j'aurais Hein? dit ça, moi. Voilà. Et Shem Hashniya, Ruth. Et là, on a un petit peu quelque chose de différent. On a Shema Achat. Alors, bon, je ne vais pas décliner des articles scientifiques là-dessus, mais c'est vrai que le achat, en fait, a servi dans l'hébreu, j'allais dire l'hébreu ancien, à désigner aussi le mot premier. C'est pour ça qu'on trouve dans le livre de la Genèse, Yom Echad, ce n'est pas jour 1, c'est d'abord jour premier. En fait, Premier. il n'y avait qu'un seul mot au départ. C'était que cardinal et pas ordinal. Voilà. Il n'y a qu'un seul mot pour les deux. Alors évidemment, après, le mot Rishon, mais qui au départ est plutôt l'opposé de Aharon, Oui. le mot Rishon a fini par servir pour désigner aussi le mot premier au sens de premier, second, etc. Voilà, donc c'est vrai que c'est une tournure stylistique qu'on retrouve très souvent. Le nom du premier ou le nom de l'une, on peut dire, et Shenit de la deuxième ou de l'autre. Mais littéralement parlant, achat, c'est une ou première. Yoav? Oui, je suis ce qui dit, oui, tout à fait. Achat, aïchad, masculin, achat, acheni, c'est l'un et l'autre, l'un et le deuxième, voilà. Oui, parce qu'on attendrait le féminin de chenille, c'est chenilla. Chenille, c'est comme ça qu'on dit en tout cas en hébreu moderne, mais le mot chenite s'utilise en hébreu moderne pour dire la deuxième fois. Bah, chenite. Je voudrais Ou. préciser une deuxième chose, c'est qu'on a retrouvé des textes, notamment qui décrivent des créations, des textes anciens en, je ne sais plus trop quelle langue, si c'est de l'acadien ou du sumérien, je ne me souviens plus, faudrait repréciser, mais où on trouve exactement cette même idée de premier. Qui n'existe pas dans ces langues qui sont un peu les ancêtres de l'hébreu, on pourrait dire, et où on trouve le mot un, et notamment on le trouve dans un récit de création qui ressemble à celui qu'on a dans Bereshit. Oui, ce qui est possible, c'est possible à la suite de ce qu'a dit Nicolas, qui est l'une ou la première, son nom s'appelle Orpa, peut-être elle est la fille ou est plus grande, disons peut-être plus grande que la deuxième, elle s'appelle Ruth. Peut-être donne aussi une priorité dans notre sens, voilà, dans l'ordre une et deuxième. Pour qu'il y ait cet ordre, pourquoi on dit vraiment Orpa, la une est Orpa, la deuxième, c'est Alors, mes chers amis Nicolas et Yoav, Chaverai Hayekarim, je serais resté encore beaucoup de temps avec vous Oui. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire peut-être sur Orpa. Oui. Ça me fait penser à la nuque, Oref, etc. On dira peut-être pourquoi, Nicolas, peut-être la réponse, Yoav aussi. Mais je fais un petit teasing pour la prochaine fois parce qu'on ne va pas tout dire et puis il faudrait des heures et des heures, mais ça va arriver Les prochaines vidéos sur Megillat Ruth, Perek Aleph arrivent sur la cour d'hébreu dans quelques temps. Il faut être un peu patient. Pour l'heure, je vais remercier Nicolas. Ani rotze leodot lecha, Nicolas. תודה לך. Toda, ממש בשמחה. ממש toda על כל הידע שנתת לנו. Et Yoav, évidemment. Yoav, toujours avec nous, qui ne cesse de mettre en perspective on va dire, les différents éléments bibliques, les différents livres, etc. Bon, Nicolas le fait très bien aussi. Mais c'est vrai que c'est une force et je suis très très heureux d'être accompagné par deux experts comme eux. Alors, bah, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Les Yitraot.